c'est Soso, bienvenue sur ma chaîne Diamant Rose. On se retrouve pour un unboxing de Diamond Art Club. Ce qui est arrivé, c'est que j'en ai pas mis là, dernièrement parce que j'ai pas toujours le temps. Il m'en reste de mes anciens que je n'ai même pas ouvert encore. Mais là, j'en ai reçu un aujourd'hui, un tout nouveau. Donc, j'avais envie de vous le montrer parce qu'il est dans les nouveautés. J'ai eu de la difficulté à l'avoir, malheureusement. La première fois que je l'ai commandé, le colis a été retourné à Diamond Art Club sans aucune explication. Même Diamond Art Club dit ne pas comprendre pourquoi. Et j'ai été totalement remboursée et j'avais utilisé mon 100$ de coupons que j'avais accumulé. Et ça, mes points ont tous été remis. Donc, pour ça, aussitôt qu'on les contacte, là, ils nous répondent pratiquement dans l'heure. Pour vrai, ça, c'est aucun problème. Donc, j'ai repassé une commande et j'ai reçu deux toiles. Donc, je vous montre celle-ci pour aujourd'hui. C'est une toile à gouailles. Un instant. Je me suis rentrée une pince dans la main. C'est une toile en rond, diamant rond. Et c'est une 56 par 71. J'ai vraiment flashé sur cette toile-là. C'est une artiste que j'aime beaucoup. J'ai déjà une toile de elle dans mes stocks. Et donc, c'est ça. C'est une toile qui m'intéressait vraiment, vraiment beaucoup. Donc, on va l'ouvrir. Je m'excuse pour ma voix... parce que je sors du lot, parce que j'ai encore le rhume. Hop. Bon. Et voilà. Comme d'habitude, j'explique rapidement. Diamond Art Club est une compagnie de Diamond Painting qui fait des toiles en travaillant avec les artistes. Donc, c'est des toiles licenciées. Et ça coûte plus cher pour ça, parce que les artistes sont rémunérés pour leur art. Et aussi parce que c'est vraiment de la top qualité. C'est ça, c'est extrêmement agréable à faire, ces toiles-là. Je vais juste sortir les petits trucs de la boîte. Et voilà. Alors, petit toolkit. Dedans, on a, comme d'habitude, un stylet bleu. Oh my god! Énormément de sachets. Je ne sais plus combien il y a de couleurs dans cette toile, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de sachets. Je vais juste les ranger ici. Un squishy, un multiplexeur de 4 qui sont mes préférés, un petit plateau transparent et deux cœur de cire. Alors moi, je garde toujours, toujours le multiplaceur. Comme ça. Et voilà. Ensuite, on va regarder la bête. Très, très hâte de voir. Je vais juste enlever mon petit ami Rosinette. Je vais la rouler à l'envers. Alors, la toile, excellente qualité. Elle est épaisse, douce. Juste pour que vous voyez le papier. J'ai vu quelque chose. OK. Alors, à l'intérieur, il y a un petit livret d'instructions avec un code de 10% de rabais. Si vous n'avez jamais commandé chez Diamond Art Club, vous pouvez utiliser mon code dans la barre de description qui vous donne un 15% de rabais. Et moi, ben, ça me donne des points. Alors, je vais juste tasser les diamants. Je capote. OK, dans quel sens? 1, 2, 3. Tada! Oh my god!
Wow! Je ne sais même pas si vous la voyez comme il faut. La voyez-vous, la voyez-vous? On voit pas très très bien. Oh, c'est hot là. Oh ben c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de sachets. 60 couleurs. Dont 3 AB et un diamant spécial. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Ce qu'on va faire, je vais vous montrer l'image pour que vous voyez mieux là, ce que c'est. Alors, voici la jolie image. Regardez ça, comment c'est beau. J'adore. Donc, c'est l'artiste Molly Harrison que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est magnifique. Vraiment. Alors, ici, c'est autocollant. Moi, je l'utilise pour mes logbooks. Les petites étiquettes ici pour mettre sur les pots sont toutes séparées et autocollants aussi, ce qui est génial. Et il y a aussi un petit autocollant comme ça qui vient avec, que moi, je mets au bout de la boîte pour mes rangements. Ça aussi, ça me permet de savoir si je vous ai fait la vidéo. J'adore. Vraiment, là. Regardez de proche. Je vais vous montrer comme il faut parce que ça vaut la peine. Magnifique. Voilà. Ensuite, on va regarder les diamants rapidement, au moins les spéciaux. Je vais juste ouvrir ça et je reviens. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer juste en général, mais les couleurs sont de toute beauté. En général, ça vient avec 3 grandes ribambelles, une avec les petites quantités de couleurs. Il y a vraiment des magnifiques couleurs. Ensuite, il y a une ribambelle de sachet moyen. Juste rapidement, là. Il y a plein. Regardez ça, comment c'est beau. De superbes couleurs. Et il y a la ribambelle des plus grandes quantités. Et c'est génial parce que, regardez ça, il y a 2 sachets complets. Ben, 2 sachets de AB orange. Il y a du blanc AB. Et il y a du vert AB. Ça. Et en plus de tout ça, on a, ce qui est très rare chez Diamond Art Club, des jolies perles. Regardez ça. C'est cool, là. Puis on va s'amuser à regarder où ça va aller sur la toile. Je vais ranger les diamants. Je voulais vraiment vous les montrer rapidement. Puis après ça, on va regarder où vont les diamants spéciaux sur la toile. Alors, les numéros 1, c'est les AB orange. Les 2, c'est les AB vert. Et les 3, c'est les AB blanc. Et les 4, c'est les perles. Donc, on va commencer par le bas de la toile. Je m'excuse, là, j'ai des reflets. Là. Oh my God! OK, donc les numéros 1, c'est les oranges AB. Je vous ai dit qu'il y avait 2 sachets. Donc, tout ce que vous voyez en orange, partout ici, dans son collier, partout ici, tout ce qui est orange, presque, là. Ouais. Il y a un petit peu le numéro 5, mais sinon, là, c'est presque tout des AB. Son collier, l'étoile, etc. Je m'excuse. Il y en a partout ici. Oups! Ah, voyez-vous mieux? Ah, peut-être. En tout cas, il y en a partout ici, autour, là, comme de sa chevelure, dans les cheveux, dans les bijoux, dans les étoiles, partout en haut. Il y a du orange AB, vraiment, partout sur la toile. C'est magnifique. Le 2 et le 3... On a du 3 ici, dans son visage, dans ses yeux, tout le contour du visage et du cou.
C'est du blanc AB. Il y en a vraiment un peu partout, partout, là, dans les petites étoiles, les bijoux. Le trou, ouais, c'est ça. Ici, la petite lune. Ici, il y en a vraiment des petites touches un petit peu partout. Ici. Et le vert AB, eh bien, c'est tout. Oui, oui. Tout ça ici, là, tout l'orange et le vert, c'est du AB. Même chose de l'autre côté, tout l'orange et le vert, c'est du AB. Wow! Et en haut, il y a encore même chose, là, tout en haut ici, là, le vert, c'est du AB. Oh, ça va être beau, là. Ici, ça va être magnifique, ça, la lune, là. C'est plein, plein de AB orange et blanc, ici, là. Si vous voyez bien. Je m'excuse, mon éclairage n'est pas super génial. Et les perles. Oh! Les perles, toutes les... Je vais essayer d'avancer. On les voit, là, les plus gros ronds, là. Tout le contour, ici, de sa chevelure. J'en ai ici. J'en ai ici. Ici. Tout ça descend comme. L'autre côté aussi, il y en a là. Ça descend. Ça va être tellement beau, là. C'est comme des perles qui descendent de ses cheveux, là. Wow. Wow, wow, wow. Et comme d'habitude, regardez. Les symboles sont de toute beauté. Rien à dire. Ah, un symbole que je connais pas, là. C'est magnifique. Regardez ça. Superbe. Ah, ils ont des nouveaux symboles. Ouais, il y a plusieurs que j'avais jamais vus parce que souvent, ça se répétait chez l'animateur. Ça fait un petit bout que j'ai pas commandé aussi. Wow! La toile est pailletée, comme vous pouvez voir. Puis, je peux bien vous montrer, là, mais ça fait à merveille. Ah, ben, je suis très satisfaite, vraiment contente de mon choix. Ça va être coloré. Je l'avais déjà vu chez Even in Art Design, mais je ne veux pas faire de toile. Compter, là, puis tout ça comme ça, donc ça m'intéressait pas. Mais là, wow, extrêmement contente. Pour les connaisseurs de Diamond Art Club, je vais vous montrer rapidement que les symboles, ils ont changé. Et voilà. On est où? On est là. Regardez, il y a des nouveaux symboles là, là. Quand même plusieurs nouveaux symboles. Ouais. En tout cas, à moins que ce soit moi, là, mais il me semble que c'est tous des symboles que j'ai jamais vus chez Diamond Art Club. Mais en même temps, il y a 60 couleurs, tu sais. Mais voilà. Très, très contente. Je suis pas déçue du tout, du tout. Dites-moi ce que vous en pensez. L'avez-vous déjà vu? L'avez-vous acheté? La trouvez-vous belle? C'est un format que j'adore en plus. Comme j'avais dit tantôt, là, c'est 56 par 71 cm. Molly Harrison. Ah oui, puis ça s'appelle Galaxy Girl. J'avais oublié de vous dire le nom de la toile. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt. Mon prochain unboxing de Diamond Art Club sera une toile de Noël, mais je vous en dis pas plus. Bye bye!